Bonjour Audrey. Bonjour Tammy. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Abricot. De On est rien. vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la cofondatrice de Label Expérience, une entreprise qui accompagne les marques dans la création et la réalisation de leurs espaces de retail, leurs espaces de travail, mais aussi les bars, les restaurants, un petit peu tout à la fois. Avant ça, tu as eu une carrière très variée, un peu corporate, parfois un peu moins. Tu as monté une première entreprise, tu as aussi fait du conseil en stratégie chez Bain, puis fait un saut par la BPI, et enfin par AXA avec le déploiement de la stratégie digitale. C'est un très beau chemin, un très beau parcours. Qu'est-ce qui t'a mené vers l'entrepreneuriat et vers la belle expérience? Bonne question. Donc déjà, je pense que j'ai toujours bien aimé monter des projets. Dès que j'étais jeune, j'étais toujours un peu chef de groupe, etc. Et pour la petite anecdote, avec mon associée Sophie, donc qui était une de mes amies déjà au lycée à Bordeaux, on avait convaincu le directeur de l'école de nous laisser créer le spectacle des artistes de mon lycée, avec pour mettre en avant un petit peu les talents de chant, de danse et tout de tous nos copains. Et donc pendant plusieurs mois, on s'est motivés, on a créé des chorés, on a fait quand même 40 minutes de spectacle avec les répétitions des classes, etc. Et voilà, je pense que j'ai toujours un petit peu aimé monter des trucs, et c'est vrai que ça nous a. Depuis ce moment-là, avec Sophie, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte un truc ensemble. Donc Ok. ça vient beaucoup de là quand même. Donc ça remonte à ta petite enfance. Quelle éducation t'as eue du coup par rapport à ça? Mes parents, pour le coup, sont à la. C'est pas des entrepreneurs, mais ils ont des professions libérales. Donc en quelque sorte, s'ils travaillent, ils ont monté eux-mêmes leur clientèle. Voilà. Par contre, je dirais pas que c'est des personnes qui aiment beaucoup le risque. Donc j'ai pas forcément eu ce goût-là de mes parents directement. Plus, je sais pas, de mon entourage et voilà. Mais peut-être un petit point auquel je pense. Mes parents, quand on était jeunes, on partait en vacances, pas du tout des trucs organisés. Ils prenaient la voiture, ils disaient « Ok, on va dans cet endroit-là » et on partait sans avoir rien réservé, en mode le backpack, mais version revisitée avec les parents dans une voiture, avec une tente dans le coffre au cas où on ne trouve pas de chambre d'hôte ou quelque chose pour nous héberger. Et on a fait le tour d'Europe comme ça, en mode finalement on crée son voyage. Donc eux quand même avaient ce côté un petit peu... Voilà, on crée, on prend pas des choses déjà tout fait, voilà. Mais sinon, ils n'étaient pas particulièrement entrepreneurs. Ok. Je me permets de rebondir sur un sujet. Tu as parlé de prise de risque. Non. C'est vrai qu'en regardant ton profil LinkedIn, on peut penser que tu en prends beaucoup. Et à l'inverse, je trouve que tu as une personnalité extrêmement rassurante. Est-ce que tu ne trouves pas que justement un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait très bien mesurer les risques et qui sait les prendre quand il faut? C'est marrant, j'ai lu un article sur ça hier, sur exactement ce sujet-là. C'est une bonne question aussi. C'est sûr que moi, j'ai pas forcément l'impression de prendre des risques, en fait. Alors que c'est vrai, quand des gens regardent mon parcours, quand j'ai démissionné de chez AXA alors que j'étais enceinte d'un grand groupe pour monter une boîte, tout le monde m'a pris pour une folle. Même, j'ai eu plein de fois comme ça dans ma vie. J'ai fait, c'est bête, hein, je reviens un peu peut-être en amont, mais j'ai fait ES alors que, ben, tu le sais peut-être, en France, il faut faire S, et quand tu es bon élève, il faut aller vers S. Moi, je voulais faire ES parce que je savais que je voulais m'orienter par là. Je devais faire une prépa HEC, finalement, je dis non, mais la prépa, je veux pas. J'ai été prise à Sciences Po Bordeaux. J'ai été à Sciences Po Bordeaux, alors que tout mon entourage me disait, ben non, il faut aller à. Faut faire. En fait, donc j'ai toujours eu l'impression de prendre des risques, mais moi, ça m'a pas semblé des risques parce que c'était peut-être. J'étais tellement 100% convaincue de ce que je faisais et pourquoi je le faisais que limite, plus on me le disait, plus ça me renforçait dans le fait que j'étais convaincue de mon choix. Donc j'ai pas vraiment eu l'impression de prendre des risques. Mais c'est vrai que d'un aspect extérieur, j'ai fait pas mal de jobs différents, j'ai pas mal démissionné, j'ai fait plein de petits projets et tout. Après, bon, j'ai quand même un CV qui reste une grande école, un cabinet de conseil. Donc je sais que je suis pas non plus. Si demain il m'arrive quelque chose, je me dis je pourrais toujours montrer que quand même j'ai été un petit peu sérieuse dans mon manque de sériosité. Donc, voilà. Mais donc pour répondre à ta première question. Moi, je connais plein d'entrepreneurs quand même qui sont rassurants et qui savent, ils sont droits dans leurs bottes, ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font et ils n'ont pas l'air inquiets plus que ça. Donc, ouais, je sais pas.
Et juste avant ça, tu disais qu'à l'école, tu avais eu plusieurs projets artistiques. Et là, sur la belle expérience, il y a beaucoup de choses qui sont très belles. Moi, j'ai regardé un petit peu vos créations. C'est vraiment somptueux. Vous mettez vraiment un gros coup de balai, je trouve, dans le design d'intérieur. Il vient d'où cet attrait pour l'esthétisme, on va dire, et peut-être pour l'architecture d'intérieur, et puis peut-être pour la beauté de manière générale? Ça, c'est sûr que c'est mes parents. Parce que ils ont des professions intellectuelles, mais tous les deux sont très manuels. Et depuis que je suis jeune, j'ai appris à dessiner, à peindre. On faisait beaucoup de travaux manuels. On devait fabriquer nous-mêmes nos cadeaux de Noël pour mes parents et nos amis. Il y avait tout un truc dans. Mon papa a un atelier de bois dans le garage, donc on fabriquait les meubles, on fabriquait aussi les petites cabanes pour les oiseaux. Il y a toujours eu quelque chose là-dessus. Ma maman a pris sa retraite et maintenant elle peint. Ma sœur est architecte d'intérieur, ma tante et mon grand-père a peigné beaucoup. Donc il y a toujours eu dans la famille une dimension artistique, même si finalement, à part ma sœur, personne n'en avait fait son métier à plein temps en quelque sorte. Mais on a tous cette dimension un petit peu artistique, en tout cas qui nous attire. Sophie, ton associée aussi? Quand même, architecte d'intérieur, elle a fait la même école que ma sœur. Et D'accord. ah oui, elle est super forte pour le coup, elle a l'œil vraiment, Sophie. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu la première année et le brin d'étincelle qu'il y a eu au début de la belle expérience? Alors déjà, on était toutes les deux, on travaillait toutes les deux quand on a commencé et qu'on a eu l'idée. On était toutes les deux dans nos boulots et on s'est dit, Sophie, elle faisait des pop-up stores pour Louis Vuitton, si je résume, et moi je bossais avec des boîtes digitales qui me disaient toutes les 2 minutes, est-ce que t'as pas quelqu'un qui peut m'aider? Il y a un vrai retour vers le physique, il faut qu'on saisisse cette révolution du retail, comment est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus? Et on s'est dit, faut qu'on prenne surfe sur cette tendance et qu'on aille dans les espaces qui sont en train de se recréer, le retail, et en fait on discutait avec Sophie la première année, vraiment, on se disait, bon ben, faut qu'on crée une boîte, ça serait trop cool qu'on fasse un projet ensemble. Donc on se faisait des dîners très souvent. Et là, concrètement, on s'est retrouvés aux Trois Éléphants un soir, c'est un Thaï qui est rue Tiquetonne, et on a discuté, on a parlé de ça, on s'est dit, vas-y, on n'a qu'à essayer. On avait déjà essayé des boîtes avant, et tous les 2 mois, on avait une nouvelle idée, on l'a testée, puis ça marchait pas très bien. Enfin, on se disait, non, ça n'a pas marché, donc on arrêtait. Là, on s'est dit, bon, on va en parler à nos copains. On en a parlé à nos copains qui montaient tous des boîtes, des sites e-commerce, etc. Ça a pris, ils ont voulu qu'on teste ensemble. On a commencé à le faire, ça a marché. Et donc, en fait, nous, on bossait le soir, le week-end. Donc, compliqué, on gérait en parallèle. Nos boss ne savaient pas ce qu'on faisait, etc. Donc, c'était assez excitant à la fin, hein. C'était marrant. Puis, ça a commencé à prendre. On s'est dit, bon, bah, c'est marrant, on peut même facturer. Donc, on a commencé à gagner de l'argent et à se dire, ben, en fait, ben, est-ce qu'on démissionnerait pas? Le problème, c'est que moi, je venais d'arriver chez AXA. Donc j'ai posé ma démission 9 mois après, mais donc ça a été assez. Finalement, j'ai eu l'idée quand je suis arrivée. Donc bon, ça a été assez rapide, mais donc je sais pas, c'était hyper excitant, hyper grisant. J'étais contente de réavoir le projet. C'était un moment particulier aussi pour moi parce que je suis tombée enceinte à ce moment-là. C'était voulu, hein, donc c'était une période hyper hyper importante pour moi, hyper plein de nouvelles choses, hyper excitante. Mais c'est dingue parce qu'on dit souvent que tu vois, y a des moments où tout se déclenche dans la vie. Et là, tu parles de quitter un peu une carrière qui avait l'air un petit peu presque tracée à ce moment-là, vers un retour un petit peu en enfance. Puis en même temps, tu deviens maman. Ça a dû être une période, comme tu le dis, incroyable. Et après, comment est-ce que tu t'es un petit peu stabilisée, puisque aujourd'hui, t'es quand même, t'as l'air hyper épanoui, on parle beaucoup d'équilibre. Il s'est passé un petit moment avant d'en arriver là, ou c'était déjà à l'époque l'équilibre dans toute cette période, un petit peu excitée et un petit peu pleine d'énergie, quoi. Je pense que j'ai jamais eu l'impression que j'étais dans des périodes déséquilibrées. J'ai toujours été assez équilibrée, je pense, comme personne. Après, c'est peut-être plus que j'étais pas 100% épanouie et je chantais toujours que j'allais avoir besoin d'aller vers de changer de job, d'où le fait que je changeais aussi pas mal. Et puis finalement, je savais que je voulais être entrepreneur, c'est juste que j'avais monté la première boîte, j'avais arrêté pour raison perso. Puis après, je m'étais dit, bon, bah, faut que je mature un peu, que j'apprenne des choses. Donc
J'étais partie faire mes diverses expériences, puis j'attendais juste le moment que ça revienne. Comme je m'étais toujours dit que quand je serais entrepreneur, j'avais envie d'être maman. En fait, tout s'est fait en même temps, j'ai démissionné, en fait, j'ai appris que j'étais enceinte 2 semaines après. Donc je pense que aussi, je sais pas, la nature est bien faite. Et donc cet équilibre, j'ai jamais eu l'impression de pas l'avoir. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'avec une famille, un job, toutes mes activités à côté, l'équilibre, faut toujours... C'est un travail, alors qu'avant c'était peut-être un peu plus naturel. Ouais. Là, ça se travaille un petit peu. Il faut vraiment que je fasse attention à gérer mon travail, gérer mes amis, ma famille, mon couple. Il y a mes sorties. Voilà, ça, c'est plus un truc sur lequel il faut que je réfléchisse, que je garde bien du temps pour moi, parce que j'ai tendance tout le temps à squeezer le temps perso. Ouais. Et je vois que dès que j'ai pas assez de temps perso pour moi et pour être toute seule et être faire mes trucs, ça va moins bien en fait. Donc je pense que c'est plus un travail qu'avant. Mais je pense que j'ai toujours une sorte d'équilibre. D'ailleurs, par rapport à ça, tu as peut-être une petite routine que tu t'imposes pour bien... J'essaie, mais je ne suis pas très forte pour m'imposer des routines. Mais j'essaie, par exemple, là, je me dis, il faut vraiment... C'était une bonne résolution, mais je ne la tiens pas super bien. Il faut vraiment que... Par exemple, le yoga, moi, j'en fais depuis très longtemps et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Lire. Je dévore les livres. Et là, dès que je ne lis pas assez, je sens qu'il me manque quelque chose. Donc, prendre même si c'est 10 minutes, mais lire un petit peu. Et écrire aussi. J'ai toujours tenu un journal. Et j'ai beaucoup moins de temps, évidemment, aujourd'hui. Mais je sais que quand j'ai tout ça, qu'en plus je passe du temps, qu'on arrive à se faire nos petits week-ends en amoureux avec mon mari. Tous les 3 mois, on se fait un petit week-end en amoureux. Que j'arrive à me faire mes soirées entre potes, faire notre petit théâtre. On essaye, pareil, d'aller assez souvent voir des spectacles, etc. Quand j'arrive à équilibrer tout ça, bah, c'est vrai que je me sens mieux. Après, c'est dur de se dire une routine. J'ai du mal aujourd'hui à me dire je vais au yoga toutes les semaines, tout ça. J'arrive pas très bien à tenir tout ça. Mais j'essaye que sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sois équilibrée au moins sur plusieurs mois. Voilà. C'est vrai que la routine, c'est un petit peu le régime minceur des entrepreneurs. Il y en a qui y arrivent très bien et puis d'autres pour qui c'est pas du tout fait, quoi. C'est un peu... Puis les enfants, c'est dur. Avec des enfants, enfin, à la fois, ils nous créent une routine, mais à la fois, il y a tellement d'imprévus qui arrivent tout le temps que c'est dur de vraiment se fixer sur un agenda. Et puis, on a beaucoup d'amis qui passent comme ça, qui arrivent à la maison. Donc, en fait, je voulais aller au yoga. Ben mince, il y a des amis qui passent. Bon, ben, c'est pas grave, j'irai pas au yoga. Et moi, je préfère, je vais pas dire à mes amis, ben non, venez pas. Ouais. Donc, tu vois, donc en fait, on a un peu du mal avec mon mari et ma famille à se créer une routine. Mais on y travaille. D'accord. Tu as parlé hyper brièvement de ton mari. Mm-hmm. Je crois qu'il est entrepreneur aussi. Mm-hmm. C'est pas trop dur, 2 entrepreneurs à la maison ? Non, au contraire. Non. Ça, j'en ai question. Non, franchement, c'est génial. Parce que je pense qu'on se comprend. On est un peu dans la même excitation. On est tous les deux très flexibles. Donc, ce qui donne une facilité pour gérer les enfants qui est assez importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, en fait. La crèche, les trucs, si quelqu'un est malade, aller chez le médecin. Enfin, en fait, on s'arrange, on se débrouille. C'est nous avec nous-mêmes. Donc, non, moi, je trouve ça génial. C'est hyper grisant, on s'aide. C'est top. D'accord, ok. En parlant d'amour, la dernière fois qu'on discutait tous les deux, tu me parlais d'un livre qui s'appelait Les 5 piliers de l'amour. Les 5 langages de l'amour, je crois. Ou les 5 langages de l'amour, effectivement, tu as raison. Et tu me l'as dit, tu lis beaucoup. Qu'est-ce que tu as lu un peu dans le domaine de l'amour ou des relations interpersonnelles récemment qui t'a inspiré ? C'est vrai que je lis beaucoup. Sur les langages d'amour, c'est marrant, j'avais lu les langages de l'amour pour les enfants. Donc c'est la même chose mais adaptée aux enfants. Ouais. Et c'est des copains qui m'ont conseillé, donc j'ai lu ça. Je ne me souviens jamais des titres des livres que je lis, c'est l'enfer. Mais j'ai toujours lu pas mal de bouquins autour de la philo, ce qui est un peu maintenant le développement personnel. C'est ma grand-mère qui m'avait transmis ça. Elle était bibliothécaire et conférencière, donc c'était le paradis pour moi, tous ces livres. Et elle était très axée sur la philo, la spiritualité. Et finalement, on en revient beaucoup à des questions d'interpersonnel, de comportement, d'attitude, de comment trouver un équilibre, de spiritualité.
Et donc je lis ça depuis, je dirais, que j'ai 15-16 ans, donc ça m'a toujours un petit peu suivi. J'ai pas, moi j'aime bien tout ce qui est Frédéric Lenoir, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu de bouquins de lui. Et sinon, je lis un peu, mais j'ai pas les titres en tête. J'en ai plein dans ma bibliothèque. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien parfois prendre du recul et me poser des questions sur ces sujets-là. Donc ça fait partie du type de livre que je lis parmi tous les livres que je lis. Ouais. Je voulais te poser deux dernières questions sur la belle expérience. Je trouve que le nom est très beau et très esthétique. Mm-hmm. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Et est-ce qu'il a une signification particulière? Alors, c'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est Claire, c'est une de nos copines de Bordeaux. Elle est vraiment hyper forte dans tout ce qui est naming, etc. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, à la base, depuis le début, on se veut créateur d'expérience. Donc, d'où l'expérience. Et après, label, c'est pour le jeu de mots, la belle expérience, une belle expérience. Et on espère, en tout cas, on veut donner un petit label à nos productions, en quelque sorte, et que ça soit un gage de réussite. Enfin, on espère. Ouais. Donc voilà, d'où l'idée de label expérience. Ok, très chouette. Et enfin, la dernière question que je voulais te poser, c'est que vous avez une équipe qui est composée en grande majorité de femmes. Mm-hmm. Et je trouve que de l'extérieur, en tout cas, il y a une ambiance qui a l'air très chaleureuse et très bienveillante. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la culture chez Label et comment est-ce que vous l'avez mis en place? Je pense qu'on l'a mise en place par nos personnalités, en quelque sorte, et toutes les deux, dès le début, on n'y a pas beaucoup réfléchi, mais quand même, les mots revenaient souvent. C'était vraiment exigence et bienveillance. Je pense que toutes les deux, on a été un peu, dans nos premières expériences professionnelles, on a été un peu élevées à la dure. Et donc, on est très exigeantes avec nous-mêmes et dans le travail qu'on rend à nos clients. Donc, on a essayé de pousser ça auprès de nos salariés, tout en ayant le côté bienveillant et mettre tout ça dans un monde de bisounours où on a envie que les gens s'entendent bien et soient... se sentent bien, en fait. On n'a pas envie de... On a eu des expériences, parfois, on ne se sentait pas forcément bien dans nos jobs, à des moments donnés, avec des managers qui n'étaient pas terribles, etc. Et on s'est dit, on ne veut pas reproduire ça. Donc, comment on fait pour concilier cette exigence et cette bienveillance? Je pense que là, c'est par contre un travail qu'on devra faire dans l'équipe. Vraiment essayer de mettre cette culture, de le dire, que ce sont nos mots-clés, d'en parler plus, parce que je ne suis pas sûre que l'équipe ait mis ces deux mots déjà... qu'ils aient en tête ces deux mots. Ça serait intéressant qu'on en parle avec eux. Mais si ça peut un peu t'orienter et te conseiller, là, j'ai lu un livre qui s'appelle Delivering Happiness. Mm-hmm. En français, ça a été traduit L'entreprise du bonheur. Et il explique qu'il a envoyé un email à tous ses salariés pour leur demander en 10 mots comment est-ce que vous pourriez parler de l'entreprise, donc ses apos, entre autres. Et il a été extrêmement surpris du résultat, et finalement, la culture vient plus de ses employés que de lui. Et il explique à quel point c'est un cercle vertueux. Il faudrait qu'on fasse des tests. Allez. Ouais. on se revoit pour la prochaine interview où tu nous dis les 10 valeurs qui sont sorties. Super. Comme tu le sais peut-être, sur Abricot, on aime bien faire connaissance avec notre communauté de manière un petit peu originale. On pose des questions un petit peu atypiques. Est-ce que tu es prête à te prêter au jeu? Bien sûr. Prêt à se prêter. Bien sûr. La question qu'on aime beaucoup, si tu pouvais dîner avec une personnalité célèbre de ton choix, décédée ou vivante, qui choisirais-tu? Alors moi, c'est évident. Je me suis toujours dit, c'est Poutine. Ça peut en surprendre certains, mais j'ai habité, j'ai étudié, j'ai travaillé en Russie et j'avais fait une espèce de gros mémoire sur sa politique étrangère entre 2000 et 2008. C'est une personne qui m'intrigue énormément et j'aimerais en fait lui poser des questions et qu'il puisse me répondre sincèrement, parce que voilà, il y a plein de choses qui m'intriguent énormément et je vais d'ailleurs à Moscou la semaine prochaine. D'accord. Si tu peux m'organiser ça. On ferait une petite interview sur Abricot avec Vladimir. Et tu penses qu'il te répondrait sincèrement? Bah non, hélas, non. Je pense qu'il est très calculateur. Mais je sais pas. En fait, j'aimerais avoir... Tu me dis que je peux faire ce que je veux, alors ça serait cool, je lui demanderais. Et on verra, mais j'aimerais bien. Non, je pense pas que... Je pense qu'il répond sincèrement à personne. Il est assez seul, je pense, quand même, et très calculateur. Tout ce qu'il fait, il a trois coups avant tout le monde. Et donc, non. Si...
si c'est pas les règles du jeu dans le dîner, non, on ne répondra jamais sincèrement. Ouais. À part à l'instant, à quand remonte ton dernier fou rire et pourquoi ? Donc c'était c'est sûr cette semaine avec les enfants, avec ma petite Louise qui joue à cache-cache et qui a bondi. Bref, c'était assez drôle. Et sinon, donc on rigole beaucoup, ben, forcément avec les enfants. Et sinon on est parti en vacances avec des copains là, pour un mariage à Megève. Mmh. Ça voulait pas très haut le niveau, mais on a passé 3 jours à vraiment des bons vieux fous rires. Voilà, mais ça volait pas très haut. Mais on a beaucoup ri, j'ai pleuré de rire, j'avais mal au ventre tellement je rigolais. Enfin voilà, donc c'était sympa assez agréable. Sympa pour les copains, on leur dira. Voilà. Et, ton premier baiser, une histoire belle ou une catastrophe ? C'était pas une catastrophe, mais c'est pas mémorable parce que c'était une personne à qui je tenais pas particulièrement, donc rien de particulier à noter. D'accord. Ton film ou ton roman d'amour préféré ? Alors j'ai commencé par les livres. Donc, moi j'adore Anna Karénine, la Russie toujours. Hein. Mais ouais. C'est Anna Karénine d'ailleurs qui m'a donné envie d'aller en Russie. J'avais aucune attache pour la Russie et c'est pour ça que je suis partie là-bas, que j'ai vécu un peu, etc. J'aime beaucoup Belle du Seigneur aussi. C'est vraiment un roman qui m'a marquée. Et comme film... c'est complètement cheesy, hein, mais j'ai adoré le moment que j'ai passé quand j'ai regardé The Notebook. J'étais à ce moment-là, j'habitais au Canada, j'étais sur une sorte de... C'était un campus à l'américaine, et on habitait tous dans des résidences, et on était dans cette salle. Donc il y avait des énormes canapés avec plein de coussins et de couvertures. On était qu'avec des filles, donc avec mes copines canadiennes et américaines. Et on avait des pop-corns, et on a pleuré toute la soirée comme des madeleines, et ça ne me ressemble pas forcément à 200% ce genre de moment, mais j'ai passé vraiment j'ai un super souvenir en fait de ce film grâce à ce moment. D'accord, ok. Et du coup, dans la même lignée, tu parles beaucoup de Russie, mais peut-être que ça va être un petit peu différent. C'est quoi le grand moment de l'histoire que tu aurais aimé vivre ? Je ne sais pas si ça aurait été en Russie. Je pense que je reviendrais à quelque chose de plus français. Ouais. Ça c'est mon côté un petit peu peut-être Sciences Po qui revient, mais c'est assez historique, mais c'est vraiment et assez constitutionnel en quelque sorte. C'est vraiment toute la période de la avant et pendant et après la Révolution française. Moi, j'aurais adoré rencontrer Marie-Antoinette, Rousseau, Voltaire, comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, puis vivre un petit peu ces changements de régime, de constitution, voir Napoléon, voir comment il avait comment il est arrivé au pouvoir, puis après toute sa chute. J'ai beaucoup lu sur Fouché ou Talleyrand, c'est des hommes qui m'inspirent pas mal, puis après toute la période d'après. Donc en fait, je pense que c'est une période qui est hyper importante pour notre pays, notre démocratie, le pacte social français. Et j'aurais aimé en fait faire partie de ces 50 ans qui ont pour moi été à la base de beaucoup de choses. Ouais. Et par exemple, en Russie, ils parlent beaucoup de ce sujet-là, en fait, de dire « Vous êtes bien gentil, mais vous nous demandez, suite à la chute du mur, en 20 ans, de faire un travail que vous avez pris 50, 100, 200 ans avant d'arriver à quelque chose de stable. Donc laissez-nous le temps de devenir une démocratie, en quelque sorte. » Et, ouais. Et nous, on a pris pas mal de temps en France, hein, les hauts, les bas. Et c'est pour ça que cette période m'intrigue beaucoup. Et j'aurais aimé la vivre moi-même. Très belle période en tout cas. Enfin, j'aurais pas aimé sur l'échafaud, mais dans le coin, quoi. Ok, c'est vrai qu'il faut bien choisir son voilà, coin. Voilà, faut bien choisir son coin, je pense, à ce moment-là. Mais Fouché a pas mal été, elle était pas mal, non, il a réussi à être, à faire la languille et à être dans tous les régimes sans jamais se faire tuer. Ouais, c'est vrai. Après ce petit voyage dans le passé, mm-hmm. un petit voyage dans le futur, ouais. Ça serait quoi ta prochaine destination ? On est en train de réfléchir avec mon mari, on veut faire un truc où on aimerait partir tous les ans pendant un mois, vivre dans une ville qu'on aime bien. Mais vivre vraiment, pas voyager, vraiment se poser. Nous, on pourrait travailler, les enfants iraient au jardin d'enfants le matin, et puis l'après-midi, on irait visiter et faire des trucs dans la ville. Et notre première destination, on aimerait bien partir à Cape Town en Afrique du Sud. Et on doit aussi faire notre voyage de noces. Et on voulait partir peut-être en Afrique du Sud ou dans le sud de l'Afrique, en tout cas, du continent africain. Donc on est en train de regarder si on ne pourrait pas faire ça d'ici la fin de l'année. Essayer de combiner tout ça, voilà, okay. Ça en réflexion. Un petit safari en plus. Voilà, ouais, on adorerait faire ça. Donc je ne sais pas comment on va réussir à faire tout ça, mais...
Vous allez y arriver. Mais en tout cas, ouais, Cape Town, c'est vraiment une ville somptueuse. Non, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui y sont allés. Ok. Et qui m'ont très donné, qui m'ont donné très envie en tout cas d'y aller. Et je pense que ouais, c'est un endroit un petit peu au bout du monde qui donne très envie et les gens ont l'air hyper sereins presque ou il y a un calme qui ressort de cet endroit qui donne très envie quoi. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Donc, on a trop envie de découvrir ce pays. Ça fait on a beaucoup voyagé, on a habité dans plein de pays avant d'être ensemble et on a pas mal voyagé ensemble aussi. Et là, c'est vrai que ça nous manque. Mais bon, avec les enfants, la boîte, on a dû un peu se stabiliser et un peu moins voyager. Mais là, on a un peu la bougeotte. Donc, on espère pouvoir, à notre manière, tout en continuant à gérer nos boîtes, pouvoir voyager. Donc, cette idée d'un mois par an, quelque part, on se dit ça peut être pas mal. Voilà. Ouais. On est en train d'organiser tout ça. Super. Et du coup, pendant que tu seras à Cape Town, si jamais... tu regardes une prochaine interview sur Abricot. Mm-hmm. Ça serait qui la femme que tu aimerais voir lors de cette interview? Moi, je trouve que... Ouais, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de filles. Mais moi, c'est une personne qui m'impressionne tout le temps. C'est Alizée, qui a créé le Sense Cube, mais donc dans Make Sense. Elle est incroyable. Elle a une énergie, une douceur, une patience, une exigence. D'accord. Donc, allez-y. Merci. On le demandera avec grand plaisir. Il y avait une dernière question que je souhaitais te poser par rapport à Abricot. On avait vu un petit peu avec toi que tu aimais bien essayer d'aider tes amis à se retrouver. Ça vient d'où cette petite passion ou ce petit plaisir de vouloir... aider les copains à être en couple? Je sais pas. Déjà, j'aime bien que les gens se rencontrent, même mes amis en fait, en général, mixer mes groupes d'amis, faire des week-ends ou des dîners en mixant des gens. Je sais pas, je trouve ça tellement cool d'être en couple et d'avoir. D'être avec quelqu'un que t'aimes, que j'ai envie que les gens qui l'ont pas encore essayent de voir si moi, dans mes amis, je pourrais les aider en quelque sorte. Ça vient peut-être de là. Mais j'aime bien mixer les gens en général. Donc après, que ça soit pour des histoires d'amitié, d'amour, tout ça, je me dis ça peut faire des étincelles, ça peut toujours créer des rencontres. J'aime bien ça en général. On terminera sur ces magnifiques paroles. Voilà. Merci encore, Audrey, merci d'avoir accepté notre invitation. S'il y a des gens qui souhaitent un petit peu en savoir plus sur la belle expérience, où est-ce qu'on peut les rediriger? Le mieux, c'est d'aller sur notre Instagram ou notre Facebook. On a aussi tout un fil Twitter où on parle des nouvelles tendances dans ces secteurs. Donc, c'est la belle expérience, LABEL, expérience sans S. D'accord, voilà. Super. Merci beaucoup encore. Merci. Salut. Salut.